Parashat Vayetse, il dit au Or HaIm HaKadosh les quelques premiers psukim de la parasha, Bederech Remez. Quand le Or HaIm HaKadosh dit Bederech Remez, attachez vos ceintures. Bederech Remez, quand la parasha tirmoz inyan ha'adam. Comme si itril ou l'omar, Rabotei Nuzal, Vayetse Yaakov, itril ou l'omar, il veut dire que le Zohar, il a commencer à expliquer le début de la paracha, que quand on parle de Vayetse, etc., etc., en réalité on parle de l'homme. Vayetse Yaakov, Ia Nefesh Betzetam et Haolam Aelion. Qui c'est Yaakov? C'est la neshama de l'homme. Vayetse, elle sort d'où? Elle sort du Haolam Aelion, du monde supérieur. Pourquoi la neshama s'appelle Yaakov? Venikra Yaakov al shem yetzer hara akaruch ba'akevav. Pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov? Qui adore Hezet ba'akev Esav. Il était attaché à Esav. Oui, Esav voulait sortir en premier. Yaakov dit, oh, où tu vas? Rien, on peut ouvrir. Où tu vas? Il lui a tiré le pied. Comme ça, il faut se battre avec le yetzer hara. Ah, c'est pour ça que Yaakov s'appelle Yaakov, parce qu'il est attaché au Akev de Esav. Pareil, le Yitzhara, il s'appelle Yaakov. La Neshama s'appelle Yaakov, parce qu'il est attaché à la Neshama, le Yitzhara. Ve'omro mi be'er shava. On a dit, va'etse Yaakov mi be'er shava. C'est quoi be'er shava? Makom shemimenu yetzou aneshamot. Ikare be'er maim haim. Comme ça, s'appelle l'endroit d'où sortent les Neshamot. Dans leur lama Elion. Il y a l'endroit des Neshamot. Cet endroit-là, il s'appelle Be'er. Be'er Maim Haim. Le puits d'eau de vie, là-bas se trouvent toutes les Neshamot de Am Yisrael. Pourquoi il s'appelle Shava, ce Be'er? Veshava irmoz el shvu'at Hashem asher tishava anefesh betzeta shelo ta'avor al dvar Torah. La Gemara dans Nida nous dit, prends pour toi, Toda. Pour toi. La Gemara dans Nida nous dit que... Qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara dans Nida? Elle nous dit qu'avant de naître, le Yetzer, l'Akadosh Baruch Hu, il fait jurer l'homme qu'il ne transgressera pas les divrei Torah, les mitzvot. C'est-à-dire tout le monde avant de descendre sur terre, avant de naître, on a juré, Shua Hamura, qu'on ne fera aucune avéra. On a juré. Alors, il faut tout faire pour faire d'avérot. Il faut tout faire pour respecter les mitzvot. On s'est engagé. On a juré. Ce n'est pas une promesse, c'est un serment. Alors, il faut tout faire. C'est pour ça que le Be'er s'appelle Be'er Shava. Be'er, c'est l'endroit où se trouvent les Neshamot. Shava, parce que les Neshamot jurent de ne pas transgresser la Torah. Vomro, vayelech harana. Alech omram, ki yetzer hara ikanes ba'adam betzetom erechem imo dichtiv, la peta hatat rovetz. À partir de quand le yetzer hara rentre chez l'homme? Dès qu'il sort du rechem de sa mère, du ventre de sa mère. Alors comment ça rejoint Harana, Harana, Rehem, Rehem, il y a plus de lettres là, voyons, Harana, ah, la sonne Haron, Harana, c'est Haron, Haron c'est la colère. Et c'est le Yetzirah, il s'appelle Haran, Haron. Haron, parce qu'il met en colère à Kadosh Baruch Hu, ce Yetzirah-là. Ah, c'est ça, Vayelech Harana, c'est la Neshama Vayetse mi Be'er Shava, elle sort de l'endroit des Neshamot. Elle jure qu'elle ne transgressera pas la Torah. Elle sort dans ce monde, et ça s'appelle Harana. Pourquoi? Rentre en lui le Yetzirah, qui est la colère. Ve'omro va'yivgar ba'makom ki tzarich ha'adam litpalel l'Hashem va'yivgar. On sait que c'est la chante tefila. Va'yivgar ba'makom, que l'homme doit prier Hashem itbarach.
C'est comment il s'appelle Hachem? Mekomo shel olam. Shelo ya'azvenu beyado. Zouze. Que personne vienne avec une ta'ana, avec une ta'ana, une ta'ana. Hein? Une excuse, un argument, une excuse, un prétexte. Que c'est dur. Qui c'est qui a dit que c'est dur ici? L'arvodat Hachem, qui a dit? Qui a dit qu'il a du mal à se lever le matin à la tefila? Qui, il y a quelqu'un qui a dit ça? J'ai pas entendu. Qui a dit qu'il a du mal à être matmide? Étudier 5 heures d'affilée? Qui a dit ça? Pourquoi personne ne dit maintenant? Vous avez peur? Bémet, personne n'a le droit de dire ça. Personne n'a le droit de dire c'est dur de se lever le matin. Personne n'a le droit de dire c'est dur mes mauvaises midotes. Personne n'a le droit de dire c'est dur d'être un bon juif. Personne. Pourquoi? Parce qu'il suffit de demander à Hachem. Et à Kadosh Baruch Hu, il aide. Si on ne demande pas à Hachem, c'est très dur. C'est très dur de se lever le matin. C'est très dur d'aimer la Torah. C'est très dur de s'attacher à la Gemara comme tous les Gdolim, tous les Tzadikim qui ils ne pouvaient pas s'arrêter. Il fallait les tirer en force, les sortir du limoud en force, fallait. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Tellement qu'ils... Très dur d'arriver à un niveau pareil. Très dur d'avoir de la Yirat Shamayim, comme ça, dans le cœur. De l'avoir à Avat Hashem dans le cœur. Et être zélé comme ça dans les mitzvot et courir après les mitzvot. C'est très dur ça, on court après d'autres choses, pas après les mitzvot. C'est très dur. C'est très dur tant qu'on n'a pas demandé d'aide. Tant qu'on n'a pas demandé de l'aide, c'est très dur, voire impossible. Aval, si on demande de l'aide, tout devient très facile. C'est très dur d'acheter une maison. Vous allez voir. Que ce soit facile pour tout le monde achète une maison facilement. Mais là, avec l'inflation d'il y a ces deux dernières années, alors là, c'est très dur. Les prix, ils ont triplé en 2 ans. Les taux d'intérêt de la banque, il faut vivre 2 vies pour rembourser le crédit. 2 vies, il faut vivre. Si tu veux un crédit que tu peux rembourser, il faut sur 50 ans. Sur 100 ans peut-être. Mais personne ne te donne un crédit comme ça. Très dur. Les jeunes couples qui veulent se marier, ils veulent essayer d'avoir un petit chez eux, pas cher, un petit appartement, une demi-pièce, quelque chose comme ça. Mettre un lit quelque part. 2 millions, 3 millions. Oh, wow, 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 wow. Très dur d'acheter un appartement. Alors ils essaient de ramasser de l'argent là, et un peu de sous là, et un peu de là, et la banque, ce qu'elle peut donner. Ouh. Mais s'il vient un, et il dit, j'ai entendu que vous cherchez un appartement à acheter. Oui. Eh ben, vous êtes Avrer? Oui. Vous êtes le fils d'un tel? Oui. Moi je cherche depuis longtemps, je veux aider quelqu'un. J'ai fait un rêve, je veux offrir un appartement à un Avrer. Voilà. Vous étudiez, vous êtes bien, vous êtes sérieux? Ah oui, 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 oui. Ah, Bakasha, combien coûte l'appartement? Qu'est-ce que vous avez cherché? Bah, on a cherché une demi-pièce dans un parking. Mais ils ont pris le dernier. Non, demi-pièce, mais non, vous avez combien d'enfants? 8? Oh là là! Mais il vous faut un 4 pièces, monsieur. Bon, vous avez un 4 pièces. Quel quartier vous aimez? Ah, peut-être, je ne sais pas moi. Sderot. Pas cher là-bas. Mais non, Beit Vagan, c'est bien Beit Vagan. Ramot. 4 pièces. 4 pièces Ramot, c'est 5 millions. 4 millions. Après. Tenez. C'était dur? Rien fait. Tout est venu d'un coup. 4 millions de shekels d'un coup en mezouman, comment on dit, cash, sans crédit, sans rien du tout, rien, va cacher le chèque, 4 millions, il va voir le kablan, il va voir le propriétaire, rosé sur place, pas besoin ni avocat ni wallo, va cacher 4 millions, donne-moi la maison, Todarabah, shalom.
Quand est-ce que vous libérez? C'est du genre. Non. Vous savez que ça existe, ces histoires? Vous savez que ça existe? Ça existe, ça existe. Là, il y en a un. Il vient prier ici, celui-là. L'Israélien, là. Il a une villa en haut. Ah, il est venu lui acheter une villa. Pas un appartement, pas un 5. Une villa. Villa, toute une villa entière. Son beau-père, là. Avrer. Ah, il se retrouve avec une villa. Qu'est-ce qu'il veut que c'est une villa? Il a un enfant, deux enfants. Il a fait plein d'iridotes, il a fait plein d'appartements, et ça lui fait rentrer plein d'argent. Voilà. Bracha. Ni crédit, ni walou. Je connais plein d'histoires. C'est dur ou c'est pas dur? Ça dépend. Si on doit se débrouiller tout seul, c'est pas dur, c'est la mort, c'est impossible. Shkoun. Hein? Ouais, mais qu'est-ce qu'ils viennent d'ici? La police. Ouais, ils vont venir. Bah, on va voir ce qu'ils veulent. Hein? Ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul. Non, si un ami doit se débrouiller tout seul. Si un ami doit se débrouiller tout seul. Ken, il tourne depuis ce matin, depuis 4h du matin. Il tourne ici parce qu'ils ont perdu, je crois, il y a une fille qui a été perdue ou quoi. J'ai vu un Arfan à 4h du matin. C'est que 5h du matin. Un Arfan, comment dire Arfan? Un drone. Comme ça, qui tourne au-dessus de Givat Zev, tout de suite, j'ai appelé la police. S'il y a un drone. Il y a un drone qui tourne là. Ken, depuis ce matin, depuis cette nuit, il cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il a? Il cherche quelqu'un. Il cherche, je sais, depuis cette nuit, il cherche. Une fille, une petite fille qui a été perdue. Ken, les pauvres. Chez Miazan qu'il la trouve. Chez Miazan. Depuis 4h du matin, il tourne les drones. Ça, j'ai appelé la police. Il y a un drone là qui tourne. Bobo. On dit, on sait. Vous inquiétez pas. Après, j'ai oublié mes tefillines ici. Je viens comme ça pendant la nuit, tout seul. Là. La nuit ici, c'est pas... Puis, Tom, je vois des lumières, t'as des panacées. Bon, allez, panacées. C'était deux magaves qui cherchaient. Ils recherchent. Chez Merzan. Kolpanim, on va acheter cet appartement-là, tout seul. C'est faisable? Hein? Ariel, Moshe, qu'est-ce que t'en penses? C'est dur! Impossible. Mais si il vient, l'autre, il te donne le chèque. C'est dur? Il n'y a rien à faire. Regarde comme ça, comment une chose qui est presque même pas envisageable pour certaines personnes, même ils n'y pensent même pas. Ça veut dire c'est même pas dans le rêve. Même dans le rêve, pas dans l'imagination. Dans le rêve, il n'y a pas de rêve comme ça. Il n'y a pas de rêve, ils resteront avec leur loyer, ils vont rester 30 ans avec leur loyer, même pas en rêve, ils peuvent penser à un appartement. Mais il y en a qui peuvent entamer des démarches, oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Regardez comment une chose qui est très difficile, elle peut se transformer en quelque chose de très facile. Tellement facile qu'il n'y a rien à faire, ça vient tout seul. Comment? Si on reçoit de l'aide. Si on reçoit de l'aide. Ah mince, on voit ça. On reçoit de l'aide, on peut recevoir un appartement sans rien faire. Chose qui est impossible pour d'autres personnes. Pareil dans la voie d'Hachem. Pareil dans la voie d'Hachem. C'est pas pareil. Parce que dans l'appartement, combien ils ont reçu de l'aide? Cette histoire que je vous raconte, c'est une sur 100 000 peut-être. Et l'autre, il peut demander de l'aide jusqu'à demain, il n'en recevra pas. Parce que ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est gozer. Mais dans la Avodat Hashem, c'est sûr qu'on reçoit de l'aide. Sûr! Il faut demander. Il faut supplier. Il y a un grand donateur ici. Et il cherche à donner, Rabotai. Ce donateur, il cherche à donner. Il cherche qu'à donner. C'est tout ce qu'il attend. Il veut que donner. Il a créé tout le monde pour donner. Il nous a créé pour nous donner. Non. C'est tout. Alors pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on ne demande pas. On ne demande pas d'aide. Et si on demande de l'aide, il ne faut pas demander
Va voir un riche, tu lui demandes... Oui, bonjour, j'ai entendu que vous aidez pour les appartements, alors j'aimerais... Il va te donner 100 shekels. Mais si tu viens, je t'en supplie, je sais plus comment faire. C'est tellement... Et je vous promets, et je vais essayer, et après moi aussi j'aiderai les autres, et après je... il supplie. Ça c'est ma chouahère. Ça c'est ma chouahère, tu lui ouvres le cœur. Ça va parler au donateur. Ça va parler. Comme ça avec Borei Olam. Borei Olam c'est le grand donateur de l'univers. Il fait que donner. Regardez le soleil. Ce beau soleil là. Au mois de novembre, presque décembre, on est là, non? Hein? Ah, on est fin novembre! Mois de décembre! Regardez, s'il vous plaît, film. Le soleil. Ça, en France, ils voient. Mon Dieu, au Canada, ils sont en pleine neige. Qui c'est qui nous donne ça? Borei Olam, il nous donne ce soleil-là. Un qui donne. Meir pani, meir et ta'olam. Meir et ta'olam, je te marche à vous là. Borei Olam ne fait que donner. Il nous donne un si beau soleil. Il ne peut pas nous donner la Avat Torah. Vadaï. Ben, comme ça, dans le cœur, c'est rien pour lui. Il faut demander. Ça, c'est ce qu'il y a écrit ici dans le roi Haïma Kadosh. Lorsque la Neshama, on en est où la Neshama est née maintenant, elle est rentrée. Maintenant, comment on fait avec ce Yetzara qui est rentré? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Comment on imite Moded? Comment on l'affronte? Comment on surmonte? On l'affronte? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il nous rend fous ce Yetzara, non? Dis la vérité. Il nous rend fous ce Yetzara. Il nous met des choses dans la tête, il nous met des idées, il nous enlève les forces, il nous rend fatigués, tu es fou, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Réponse. Vaïfga bamakom. Vaïfga, c'est tfila, titpalel. Bamakom, c'est Hachem Yitbarach. Itpalel Hachem. Leitpalel Hachem Idiyo Rahim Akadosh, Shehu Mekomo, Shel Makolam, Shelo Yazvenu Beyado, que l'Yetzara, qu'Hachem ne nous laisse pas entre ses mains du Yetzara, qu'il ne nous laisse pas entre les mains du Yetzara. Itpalel, ne me laisse pas tomber, Ribbono Shel Olam. Aide-moi, j'arrive pas, aide-moi. Et il verra des Yishuot, il verra des Nessim Veniflaot, et il atteindra des niveaux qu'il jamais a rêvé d'atteindre. Il verra. Comme l'appartement. Mais c'est beaucoup mieux qu'un appartement. L'appartement, c'est en la base des comme un appartement, pas partout. C'est un loyer, c'est pareil. Aval. Ça, c'est gamor la mazé et gamor la mazé. Parce que celui qui arrive dans le en la mazé à servir Hachem, à avoir de bonnes midotes, il n'y a pas un bonheur plus grand que ça. Il n'y a pas une simra plus grande que ça, qu'un homme, il arrive à être maître de lui-même. C'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. À être maître de soi, à se contrôler, à savoir gérer comment parler aux autres, comment l'imoud à Torah, les tfilot. Il n'y a pas un bonheur plus grand que ça. Quand on y arrive, il n'y a pas plus grande simra que ça au monde. Et Gambor Lamaba, le Ikar Solor Lamaba. Vombro vayel ersham, vayal ensham, qui va à Shemesh. Oui, Yaakov Avino, il s'est endormi là-bas, qui va à Shemesh, car le soleil s'est couché. Che tsarich nitnaeg ken ad lechto me'olam azé, keshi arrive shimsho. C'est quoi, vaïfga bamakom, il a prié Hachem. Qu'est-ce qu'il a prié Hachem? Qu'Hachem ne le laisse pas tomber entre les mains du Yetzara. Jusqu'à quand il faut prier Hachem? Jusqu'à Vayal Encham qui bat Hachemesh. Jusqu'au moment où un homme il va dormir, le sommeil éternel, et car le Shemesh se couche, c'est la Neshama, qui le quitte. Jusqu'à la fin de la vie, il faut prier. Il faut prier toute la vie. Ve'om Ramzal, al ta'amel be'atzmecha, al yomotra. Yaakov Avinu, il a pris les pierres.
על דרך אומרם זה לשונם, אמר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. Oui, c'est quoi ירגיז? Vous avez fait ברכות? Vous avez tous fait ברכות, נכון? C'est au début. לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. ירגיז, il va renforcer, énerver, vous dites. Son Yetzer Hatov contre son Yetzer Hatov. Yetzer Hatov, il est trop gentil. Il est trop gentil. Il est trop calme. Il est trop... faut parfois le réveiller. Alors, mon Yetzer Hatov, réveille-toi, regarde ce qu'il veut nous faire, là. Il veut faire couler le bateau. Et, ah bon, viens là, viens, on fait la guerre. Il y a Giz Yetzer Hatov, Neged Yetzer Hara. Et s'il n'y arrive pas, il y a un Sok Batora. דכתיב אמרו בלבבכם ואומרו מאבני המקום פירוש בניינו של עולם שהם דברי תורה אל תקרא בנייך אלא בונייך זה תלמידי חכמים תלמידי חכמים הם בונים את העולם avec quoi on construit avec des pierres c'est ça qu'il a commencé à prendre des pierres il a commencé à prendre des pierres parce que c'est pas tout de prier à Hashem Yitbarach. Il dit, sauve-moi Dieu, etc. Sauve-moi. Il est en train de dormir, il est 9h du matin. 9h, je crois que c'est tôt pour le. Il est midi. Il est en train de dormir comme ça, midi. Il dit, Ribono Shel Olam, sauve-moi Dieu, etc. Il s'endort. Et ouais, attends, c'est tronc. Attends, c'est tronc. Si le malade ne prend pas de médicaments, il ne va pas guérir. Il dit au médecin, sauvez-moi s'il vous plaît. Mais oui, pas de problème, voilà le traitement. Non, non, mais sauvez-moi. Prends les médicaments. Étudie la Torah. Tu veux te sauver Dieu, etc. Étudie. Oui, mais c'est dur. Mais ça aide, mais c'est dur. Le médicament aussi, il est amer. Très amer. Ouh là là. Aujourd'hui, ils ont fait des petites capsules. On met, on ne sent pas le goût. Hop, après, à l'intérieur, ça s'ouvre. Avant, il n'y avait pas les capsules. Avant, il fallait prendre les produits sur place, ils te broyaient les herbes, les trucs comme ça, il fallait avaler ça. On peut mourir du médicament. S'il a passé le médicament, c'est bon, il va vivre. C'est quoi un médicament? C'est amer. Mais ça guérit. Ça soigne, ça donne la vie. La Torah Kdosha, même si au début, elle est amère. C'est dur. C'est saoulant, c'est... Hazushalom, dire ça sur la Torah. Ben, parfois, au début du chemin, c'est comme ça. Mais doucement, doucement, la Torah va faire son effet. Doucement, doucement, la neshama de l'homme va être éclairée. Elle va commencer à briller, elle va commencer à se nettoyer. Tout d'un coup, il va sentir le goût de la Torah. Comme le malade. Le malade, tout ce qui est doux, dont sa bouche est amère. Quand il va commencer à guérir doucement, doucement, il va commencer à sentir la douceur de l'aliment. Pareil la Torah Kdosha, si au début elle est amère, c'est parce qu'il est malade. Il va commencer à guérir, à se soigner avec la Torah, doucement, doucement, il va commencer à sentir la douceur de la Torah Kdosha. Mais il faut commencer, il faut s'investir, il ne faut pas arrêter de prendre le traitement, tous les jours. Ron, 15 heures par jour, tous les jours, il ne faut pas arrêter le traitement, jusqu'à qu'il ne devienne pas. Sa mère, Mitolev. Ah, ça, c'est Avne Amakom. Avne Amakom, c'est quoi? On a dit, la vanim, c'est le binyan. La vanim, les pierres, c'est avec lesquelles on fait le binyan, la maison, et le binyan, c'est la Torah Kdosha. Vas-y, Lofi. Vas-y, encore, venez nous regarder, qu'est-ce qu'il nous apprend là? Bah, Yvgar Bamakom, il faut prier Hashem Yitbarach qui nous aide. Aval, bah, Yikar, mais Avne Amakom. Il faut prendre les pierres aussi, il faut commencer à étudier la Torah. On n'a pas fait ça au Rahim HaKadosh. Non. Je ne sais pas comment on l'a loupé toutes ces années. Gam ityahes lahem avne hamakom shebahem niskal venirgam yetzer hara vekohotav. Avne hamakom, il a pris les pierres. La pierre qui fait allusion à la pierre de la Skila. La Skila, c'est la plus grande, la plus grave des peines de mort. Comme on faisait la Skila, on jetait la personne. Et s'il n'est pas mort, on lui jetait une grande pierre, et après tout le monde lui jette des pierres. Alors, c'est des pierres, hein. Ça fait allusion à la Skila. La Skila, à qui on l'a fait? Au Yetzer Hara.
Il a pris des pierres pour faire la skila, pour faire la guerre contre l'Yetzerara. Shebaem niskal ve nirgam Yetzerara ve kohota ve omram zal Torah matzelet mi Yetzerara ben bizman sheosek ba ben bizman sheeno osek ba. Comme dit la Gemara dans Sota, que la Gemara elle protège du Yetzerara même quand il ne l'étudie pas. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie tout le temps la Torah. Quand il étudie, il n'y a pas d'Yetzerara. Ça, c'est sûr. Badouk Umnousé, vous allez voir. Essayez, vous allez voir. Si un homme, il y a Yetzerara qui se réveille, tout de suite, il prend un livre, bam, ma com, Yetzerara, il disparaît. Comme a dit la Gemara dans Brachot, il y a un sac de Torah. Tout de suite, il dit ça. Aval, qu'est-ce qu'il va faire quand il n'étudie pas la Torah? Maintenant, il doit voyager à Paris. L'aéroport, Barmina, l'avion. Oula, c'est que Torah. Comment, il est avec sa Gemara dans la queue? Il dit, monsieur, avancez s'il vous plaît. Ben, il ne peut pas rester avec sa Gemara. Il est obligé de regarder, d'avancer, tout ça. Malin, c'est. Comment il va être protégé? Il doit aller à la coupe patronyme, il doit aller à la banque, il doit aller chez le coiffeur. Ouais, chez le coiffeur. Il doit aller chez le coiffeur, il doit aller là, il doit aller là. Il y a une tondeuse ici. Non, mais un coiffeur, fais le rêve. Crois-moi cette coupe-là. C'est les cheveux qu'il avait. Coupe comme ça, des cheveux de star. Une star. Je vois le lendemain comme ça, tout rasé. Où sont ces beaux cheveux-là? Où sont ces beaux cheveux? Où ils sont? Ils rêvent, les gens, ils rêvent de ces cheveux comme ça. Star comme ça, bien, sous la kippa, vous savez. Aïe, aïe, aïe. Je le vois le lendemain matin en chiot, la tête rasée. Où sont ben, ces cheveux? Vous savez où ils sont? Ils sont sur le misbeach, c'est Korban Lachem Idbarach. C'est Korban Lachem Idbarach. Matem Hachvim. Tous les jeunes de son âge, les cheveux, chevelure pareille, il la rase. Il fait comme ça, t'es boule à zéro. Qu'est-ce que c'est ça? Ken Lichvotra Hachem Idbarach. Ken. Un jeune comme ça. Bleinara, Bleinara. Lichvot Hachem Idbarach. Prends les malachim, ils prennent ses cheveux là. Il a cru qu'il l'a mis à la poubelle. Ils ne sont pas à la poubelle. C'est comme ça sur le misbéa. Regarde Boré Olam tes enfants. Regarde comment ils t'aiment. Regarde Boré Olam comment ils t'aiment tes enfants. Regarde ce qu'ils font. Ils n'en ont rien à faire. La beauté, la mode, rien. Torah, vous savez, on a acheté une tondeuse là-bas, ma Colette. Yalla, drop. Le coiffeur, le bâtir. Puis tout pète quelque chose. Ah. Clou. Ah, ça n'est gore yagdola à l'Hachem. Alcool à Israël. Qu'est-ce qu'on parle, le coiffeur? Comment on arrive chez le coiffeur? Ah, etc. Ken, il étudie la Torah, quoi la kavod. Tout ça au Bet Midrash, il est protégé au Bet Midrash. Tout va bien là? Ken, bon, Hachem, il n'y a rien à voir. Kdusha, Veiracha, Maim, Ve Torah, Ve Tfilot. Ici, c'est merveilleux. Mais dès qu'on sort, comment on fait? C'est dur. Tant que l'Yetzerara, il peut venir, il peut nous embêter. Non. Hazal nous garantisse. Mara dans la Masechet Sota. Si quelqu'un, il est en sec Batora, elle le protège même quand il n'est pas avec le livre. Même quand il est dehors. Il ira dehors, il n'aura aucune envie de voir quoi que ce soit. C'est un col. Il peut y avoir autour de lui ce que tu veux. Il peut être dans les endroits qui sont vraiment pas fréquentables pour un Ben Torah, s'il n'a pas le choix d'y être, et il n'aura aucun Yetzerara, rien. Il se sent comme au Bet Midrash. Il est avec Hachem, il est dans des bonnes marchavot, il est dans le limoud, il ne voit rien, il fait attention à rien, il finit ce qu'il a à faire, coiffeur, ou ça, ou ça, ou ça, et il retourne, rien. Après il arrive, il dit, c'est bizarre, j'étais bien, j'ai pas eu de problème, j'ai rien senti, ni rien. Comment c'est possible? On sait que votre Torah. La Torah t'a protégé, même dehors. Ashrav, Ashrechem, Ashrechem, Talmidei Chachamim. Ashrechem. Ashrechem, Talmid Chacham, Ashrechem, celui qui étudie la Torah. Ashrav, Ashrechelko. Combien il a de Hatzlacha dans ce monde? Torah, Matzelet, Mi Yetzerara.
בין בזמן שעוסק בה, בין בזמן שאינו עוסק בה. ואומרו, נוקסס אל המעלת לתורה. פרי, ופעם בעזרת השם. Aussi, elles vont vous pousser à étudier la Torah, elles vont vous aider à étudier la Torah. Elles ont toutes ces ma'alot-là, tout ce qu'il y a écrit là, c'est le halek des femmes aussi. Si elles poussent leur mari, il faut prendre des femmes qui vous poussent à étudier, vous voyez ? Pas l'inverse. Allez, quand est-ce qu'on sort ? Quand est-ce qu'on est ? On sort, Bezrat Hashem, à 120 ans, là-bas, il y a un tioul immense. Puis, je t'emmène où tu veux. Où tu veux, je t'emmène. Bentime, on finit. ואומרו ויעשה מרעשותיו יכוון כל על דרך מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי. ג'גזג'ר, כן, אוי. פאדיח סאב. אוי, יש לי סאונד חונו. אבינו פאדיח סאב. אוי, ודאי, בין הזמנים, בעזרת השם, וכולי. ואומרו ויעשה מרעשותיו יכוון על דרך מה שאמר רבי שמעון בן לקיש, אם לא ניצחו, כן, אז הוא נגיד, ויעשה מרעשותיו. ילמי לפייר, סו, סא, תת, נכון? Ça aussi, ça fait allusion à quoi ? À ce qu'il a dit Resh Lakish. « Imlo nitzho ikra kriyat shema she'alamita. » Il n'y a pas écrit « she'alamita » dans la Gemara. Hein ? Écrit ? Il y a écrit « kriyat shema » écrit. Non, vous avez fait brachot ou pas ? Il n'y a pas écrit « she'alamita ». Et « aval zehemet ». Hein ? Comment ? Non, le Kriyat Shema, la Mita, c'est la grande ma'ala du Kriyat Shema Shana Mita. C'est quelqu'un qui fait Kriyat Shema Shana Mita, alors Bezat Hashem, quand je vous crois, il va lui donner des forces de vaincre le Yitzhara, par cette mitzvah-là. Shene ma'al mishkavchem, v'omro v'ishkav v'makom ha'u yechaven l'ema shesiyem Rabbi Shimon Malakish, lo nitzho. Ah, yezi yofi. On a dit, va'ikach me'avne ha'makom. C'est les trois étapes de la Mishnah, de la Gemara là-bas. La Gemara a dit, si il voit Yitzhara qui vient, qu'est-ce qu'il fait? Yazok batora. Si nitzho mutav, lo nitzho, v'akirat shema. Nitzho mutav, lo nitzho, yizko lo yom ha'mita. Les trois étapes, elles sont allusionnées ici. Vaïkar me avenir à Makom, il a pris la pierre. C'est quoi la pierre? Le binyan, la Torah. S'il n'a pas réussi, vaïasem merachotav. Merachotav, il a mis la pierre sous sa tête, il est parti pour dormir. C'est quoi? Kriyat Shema. Shalamita. Il n'a pas réussi. Troisième étape, vaïshkav va Makom Aou. Il s'est couché à cet endroit-là. C'est Yom Amita. Il lui rappelle Yom Amita, il s'est couché. Zéo. Et c'est un rare. Voilà, un jour, l'homme, il va se coucher, un jour, l'homme, il va dormir, à Kavana, il va dormir éternellement, il va quitter ce monde-là. Qu'est-ce que tu veux chez moi ? Qu'est-ce que tu veux chez moi ? J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux chez moi ? Qu'est-ce que tu me vends ? Qu'est-ce que tu me vends ? Qu'est-ce que tu veux me vendre ? Non, viens, tu vas travailler, tu vas gagner 10 000 shekels par mois. Et après quoi ? Et après ? 10 000 shekels par mois. Et après, je fais quoi ? Voilà, un jeune ici, là, il m'a parlé hier, il gagne 30 000 shekels par mois. 30 000 shekels, c'est bien, d'accord ? C'est bien, des ministres à l'État, ils ne gagnent pas 30 000 shekels par mois. Lui, il a 20 ans, il gagne 30 000 shekels par mois. Bon, ce qu'il fait, c'est autre chose, il gagne 30 000 shekels par mois. Et la vie amère l'amertume. Maror, il mange ce jeune homme biscuit. Ben, qu'est-ce que tu veux me vendre ? De l'argent, tu vas gagner 10 000, tu vas gagner 15 000, tu vas gagner 30 000. Mais qu'est-ce que tu... Et puis quoi ? Voilà, j'ai acheté ça. Et après quoi ? Et après, bah, tu vas gagner encore. Et après quoi ? Bah, tu vas acheter encore. Bah, j'ai acheté déjà. Encore ? Oui, nouveau modèle. Un nouveau modèle. Ils sont heureux ? Vous croyez qu'ils sont heureux ? Non, putain. Ils courent. Il dit, je vais quitter ce monde-là. C'est quoi la première étape ? Un soc batora ? Ouais, mais dans le passo, c'est... Là ? Mais venez à Makom. Lo nitzho, izkor lo yom amita, veomro vaishkav. Shriva yedua, shriva, le fameux coucher. Bamakom ayadoua, vaishkav, bamakom. Bamakom, ça veut dire qu'on fait allusion à la place qui est connue. Laquelle ? La petite place là-bas.
Pas quatre pièces, pas trois pièces, pas une demi-pièce. Quatre amotes. D'accord. Petite pièce comme ça. Juste à ça. Sur mesure. Bam makom ayadoua. Derer kol haaretz bet moed lekol hay. Vahar kol atznaim alalu. Après tout ça, mouvtah ou shiyenatzeh hayetzerara. Mouvtah, il est sûr, il est promis, garanti de vaincre le Yetzer Hara. L'heure, s'il vous plaît. Nous avons 8. Az ot keta katan. Umeata mevasro katum shiyera oui. Le'anav manfa nevoua. Ouah, maintenant il a gagné le Yetzer Hara. Il a gagné le Yetzer Hara. Il est encore vivant. Il est là. Il lui a juste rappelé Yom HaMita. Il n'est pas mort. Il lui a rappelé Yom HaMita. Maintenant, le Yetzer Hara, il l'a quitté. Maintenant, l'homme, il va commencer à monter de grade. Et là, il sera apte à avoir une des branches de la névoie, de la prophétie. Sheyegale Hashem Elav. Bahalom Yedaber Bo. Kadosh Baruch Hu Yishtabar Shemo va se dévoiler à lui. Regardez ce qu'on peut atteindre. Regardez ce qu'on peut atteindre. Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à lui. Et c'est où le mal halomotav chez le rabbi Elazar ben Aracha Mouvaim Besefer HaZohar. Ouah. Il y a des rêves de Rabbi Elazar ben Arach qui sont mentionnés dans le Zohar. C'est très long. Ça doit être très beau. Il amène ici tout le Zohar avec les rêves de Rabbi Elazar ben Arach. On a envie d'en lire quelques-uns au moins. Donc, celui qui veut. והסולם הוא סוד נפש האדם ולהיות שבצאת האדם בשוכבו לא תעקום יחלט מגופו של האדם אלא חלק ממנה בגוף הוא אומרו מוצב ארצה וחלק מגיע השמיים עשה סלו סולם זה לפמוז אשל והיה והחלום זה והחלום אלא רווה יעקב נכון? זה אנדורמי אלא רווה דוקו אלא רווה הקדוש ברוך הוא כמוס עשו דבו אלא לוי לנבואה והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים זה שלון כלפו גרווה פה pour monter dans la Nevoa, dans la Kedusha, sous l'âme chez Rabbi Pinhas ben Yair. Ve'a'ed al-zek shi'adam yashen ikatz al-yedei ha'itno'ot ha'gouva yashen ve'im nefesh adam yifreda v'al-chala lo targish bidan ha'gouv. C'est ça, sous la Mutsavarza, cette échelle-là, elle est posée sur terre. C'est-à-dire quand l'homme il dort, ou il aura la Nevoa, il n'est pas mort. Il est encore vivant. D'accord ? Celui qui est mort, il ne sent pas son corps. C'est fini. Celui qui dort, il sent son corps il bouge encore. Ken, ça c'est Mutsavarza. Il reste encore sur terre, et Rocho, en étant vivant, Magia, Shamaim, sa tête arrive, sa Neshama arrive dans les plus hautes, dans les plus hauts niveaux de la Kedusha. Pirou, She'en, Mafsik, Benao, Ben Hashamaim, Kevan, She'yetzer Hara, Ba'adam, Aïn. Tagia, Neshama, la Shamaim. Maintenant que le Yetzer Hara ne se trouve plus chez l'homme, on est après cette étape-là où l'homme il a gagné le Yetzer Hara, alors. Sa neshama, elle se trouve à Shamaïma. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de monter. Encore un petit peu. Vomro malaché Elohim, olim veyordim bo. Irmoz el behinat ma'asim tovim asher ishtadel adam ba'olam azeh. Ça fait allusion, les anges qui montent et qui descendent, aux actions, aux bonnes actions qu'un homme y fait dans ce monde. ויעלה באמצעותם אורות עליונים בשורש נשמתו שק מצווה כאן המיפה יפה מונטה דה אורות עליונים דה לומייר הוא כמובן פס כוסה סדלה קדושה אינום כאן המיפה מונטה פר שק מצווה כלפה והם נקראים בדבריהם מים נוקבים סדלה קבלה להם יקראים מלאכי אלוהים מלאכי אלוהים אלוהים זה דין נקבה אז מים נוקבים זה שוס כאן המיפה כאן יפה דה מצוות וכן הוא במשנת חסידים, העושה מצווה אחת, כאן הלא פרקליט אחד. פשט צה. אדם יפין מצווה, איסא אקי, אילה פבריקה, אילה קריאה, אין פרקליט. פרקליט זה אין דפנסור. כן, כוח? פרקליט זה אין, יא אין קטגור, יא אין סנגור. אין סנגור איסא אקי. זה כוח סנגור לה, זה סט לומיר כאילה קריאה גרסס המצווה. Qui s'appelle Maïn Nukvin, qui monte, s'appelle Malaché Elohim. Ou Baalot Elou, Yerdo Maïn Dechourim. Beit Oirut Atahtonim, Beit Oirut Maïn Elionim, Lashpia Orot Noraim, Besot Nishmato.
il va être mashpia sur sa neshama, des orot, noraim, des lumières incroyables. Tout ça, c'est une mitzvah. Ve'omro ve'yordim bo. Et le dernier passage, ve'omro ve'ine Hashem nitzav, pirush. Hachem se tient. Et Hine Hachem Nitzav alav. Hachem se tient sur lui. Ça, c'est le niveau supérieur de la Nevoa. C'est plus un rêve maintenant. Hachem se tient devant lui. Ela tigale alav ashechina. La Shechina se dévoile à lui. Il y en a qui ont Rabbi Yosef Karo, la Shekhina, elle parlait de sa gorge. T'as compris ce que c'est ça? De sa gorge, elle a parlé de la Shekhina. Akdasha. Il n'était pas mekoubal. Il n'a même pas étudié la Kabbalah, il n'a pas fait rien de. Il est l'amad pshat, Mishnayot. Gmara, Bet Yosef. Bet Yosef, Shulchan Aruch. Lo Kabbalah, lo Shum Davar. Lo Inyani, Kloum. Il a voulu, il a essayé, ça n'a pas marché. Rien. Qui c'est qui parle de sa gorge? La Shekhina que déjà parle de sa gorge. Rabbi Yosef Karo. La Shekhina. Tout le monde est tombé par terre comme ça, c'était la nuit de Shavuot. Deux nuits d'affilée. La Shekhina parle dans la gorge du Rav. Quel niveau on peut atteindre? C'est pas Tanaïm, Amoraïm, Nevi'im. Rabbi Yosef Karo, 400 ans. La Shekhina parle dans sa gorge. Il avait un malach, c'est sa neshama, qui lui parlait. Sa neshama lui parle. Elle dit, Shrecha, elle fait du moussar, vézé, suite à neshama, neshama, Mishnah. Ania Mishnah, il dit. Ania Mishnah, comme ça il lui parle. Ania Mishnah, je suis la Mishnah. Laquelle, quelle Mishnah? La Mishnah que tu as étudiée. C'est moi, voilà, me voilà. Moi, je croyais que c'était, il fallait juste lire, ça. On crée, tu as créé un ange qui est toi-même en vérité, qui est ta propre neshama. Ania Mishnah. Et Raza, tu sais, hier, pourquoi tu as mangé ça? Pourquoi tu as dormi? Pourquoi tu disais, réveille-toi, ne dors pas, ne mange plus ça, fais ci, fais ça, fais ça. Et le guide, ma guide. Ma guide, Mesharim. Regardez ce qu'on peut atteindre. Regardez le niveau qu'on peut atteindre. Aujourd'hui, on peut avoir la même chose, sans peut-être dévoilement. Je ne sais pas si on est au niveau, dans notre dos, d'avoir des révélations, mais la révélation se fait en silence, sans qu'on la voie, avec des ailes. Putain, maintenant, il a des ailes, putain, il réussit, il est bien, il a des forces pour faire beaucoup de choses. Quand c'est pareil, on n'est pas dans une génération où on peut voir des choses, où on a de la névoie, ça n'existe presque plus aujourd'hui. Peut-être chez des tzadikim nistarim, peut-être chez eux, il y a ces choses-là. Mais la réalité reste la même. Si on ne voit pas, si on n'entend pas, on sent. Jamais zaken. ולא בחלום ידבר בו, אלא נגלה תגלה עליו השכינה הקדושה, ולזה תמצא שמור זל על ישראל שלו, ושלל אחד מהם מהנבואה, וכולם מוכשרים לדבר הזה, יתרמין לאורחיים הנודיזן, כתו עם ישראל, אפט עשו ניבולה. תו ז'ויף, נפחת לכם, פעתן עשו ניבולה. כמצא ידיתן לדבי ליהו. מעיד אני עליי שמיים וארץ שכל באי עולם, בין איש, בין אישה, בזה, אפילו גוי, ידיע. במה גוי? כפי עוסק בתורה ועוסק כאן וזה, מזה, זוכה לנבואה. הגוי רספה גוי, כן, זה בין שויף. כל באי עולם, בין איש, בין אישה, ידיע. נמפורט כאל פרסן, אומונד, פעתנר לפלו עוד נבוא כי יקרי איסי. Quel? Le niveau, il sera en fonction de la génération. Parce qu'on est limité à un certain niveau aujourd'hui. Si on était à l'époque des Nevi'im, tu serais Navi. Voilà. Putain, tu viendrais le matin, tu dis, ah, oh, c'est... J'ai vu ça. Dans une semaine, il va se passer ça, vous êtes au courant, ouais, vous aussi, vous avez le niveau. Chacun va partager les niveaux hautes et tout.
Si on était à l'époque des Néviim, vous serez des Néviim. On n'est pas à l'époque des Néviim. On a aujourd'hui ce qu'on a. Avala Kadosh Baruch Hu, il sait très bien le niveau qu'on a. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici, Rabotai ? Yala. On se prend en main. On avance. On prend des corottes. On vise haut, Rabotai. Il faut viser haut, il ne faut pas rester bas, il faut viser haut. Nevoa, pas moins que Nevoa. Nos parotes. Ça prend du temps. Ken, Mayesh. On travaille. Nevoa, on racodesh. Vous n'avez pas envie ? Moi, j'ai envie. Ah, mais il n'y a rien pour l'instant. C'est à dire, l'athlète, il y a vous. Là-bas, on va pas faire youche. Il y a vous. Ken, au niveau de tzaddikim, de hassidim, de limouda Torah, akol, ken. Même si on tombe de temps en temps à Zmaïesh, on se relève, et on continue, et on demande, et on prie. Et on peut atteindre de haut niveau. Haval, que l'or lamazé va nous aspirer. Haval, il est fort l'aspirateur. On ne veut pas être aspiré par ce monde-là. Chaval, quand on va passer notre vie à faire quoi ? À rien faire ? Ou à un petit, comme ça, un petit peu étudier, on va connaître un daf, on va connaître une maserette, on va faire de temps en temps un petit sioum, de temps en temps un petit seder de Mishnayot, j'ai fini seder Moed, Hazakou Baruch. D'accord ? Nazéo ? Oui. Toute la Torah. Et c'est possible. C'est possible, on peut arriver à un niveau où on peut étudier très très rapidement. On peut avoir la Siyata d'Ishmaïa, de rien oublier. Tout est possible, on écrit, tout est possible, il faut demander de l'aide. Il faut être patient, il faut investir. Mais c'est possible, il faut aspirer à ça. Pas rester chas v'shalom amaretz. Par le bait, chas v'shalom. Tamidei chachamim. Tamid Chacham Bezat Hashem, qui sait répondre à toutes les questions. Il connaît. Pas écoute Joseph. Écoute Joseph, c'est dans sa poche déjà. Pas écoute Joseph. Il connaît les poskim. Il connaît tout le Mishnah Moura. Il connaît les Masertot. Il les connaît bien. Il connaît les Dapim. Il connaît les Tosfotim. Il connaît les Yesodot. Il connaît le Rambam. Il connaît. Il sait. Il peut parler avec n'importe quel Chacham, n'importe où. Il arrive dans une synagogue, bravo, dis un Dvar Torah. Au début, il dit non, peut-être un avak, ça te machoukha. Après, il dit non, bechavod. Bravo, il se met sur la teva, katouf, ta, sans préparer, sans rien. Ouais, pas besoin, il est rempli. Après, il vient le voir, ah, bémet, kacha, ken, efo katouf, c'est katouf, mechilta, c'est katouf, psikta, c'est katouf, masechet kacha, c'est katouf kacha. Ah, je peux vous demander un conseil, Ken, voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire ? Ezrat Hashem, tu fais comme ça. Pas stam qui je couche, me permet. Ma, l'otov ? Ça vous dit pas ? Melech ! Man manche rabanan ! Ah, tu dis, amarez, que tu veux, monsieur, le truc, avec ta place dans la synagogue, et le travail, la tefila, un petit dafiomi, un petit. Zé ! Haz v'shalom, pour ça t'es venu dans ce monde. Mais pour ça, Rabotai, c'est maintenant. Maintenant ou jamais, quand on est jeune, c'est maintenant. Maintenant, il ne faut pas perdre un instant, il ne faut pas perdre une nuit de l'El Shabbat, il faut étudier jusqu'au maximum qu'on peut étudier. Une heure, deux heures, mariage. Tfilas à quelle heure? Vous êtes Shabbat Hofesh. Shabbat Hofesh, tfilas à 8 heures. On est à main. Honnête. Pourquoi 8 heures? Honnête. Il faut profiter, Shabbat Hofesh. Quand est-ce que vous avez l'occasion de prier honnête? Jamais. Shabbat Hofesh, honnête. Sauf, j'ai l'occasion de me lever honnête. Sauf, personne ne va me dire que, où t'étais à la tfilas. Je suis honnête. Après le net, l'imoud. Comme ça c'est. Moi, j'oublierai jamais le net quand j'étais parent. Les Shabbatot, Shoshanim, les David. Ah, c'est, on dirait que je me rappelle du Gan Eden, je me rappelle, on dirait. Kranir Ali. Je me rappelle de mon stander, vieux stander comme ça. On enlève les chaussures, trois rogalach. Après le kidouche, le café. Yala. Les mots.
C'est kef. T'arrives après la Seouda de Shabbat à 10h, 11h, la famille, tu t'étudies depuis 7h30 du matin. Malheur. La Seouda de Shabbat, après une petite sieste, ça dépend combien il a dormi la nuit, s'il a dormi 3h. Hein. Non, il dort encore 2h. S'il a dormi 5h, une demi-heure, ça suffit. Petite demi-heure, après il se lève. Rod limoud. Ah non, mais ils se sont au Gan Eden, Rabotai. Ils se sentent malach, ils se sentent. Bon, 6h30, il a mangé, il a le ventre comme ça. Il n'arrive pas à bouger, il a bu à Shabbat Rofesh, il a bu de la bourra. Allez, on va dormir. Maintenant, il va hiberner jusqu'à 6h le lendemain. Il se lève, sa tête, elle ne sait même pas où il habite. La tefila comme ça, il arrive. Allez, repas, la daf. Là-bas aussi, il a bu la nisette. Et après, il va dormir, il hiberne jusqu'à Mincha. Motsi Shabbat, il arrive à l'Yeshiva, il est démonté. Et là, dimanche, l'Imoud. Les Shabbat, c'est Shabbat. Ça, c'est Shabbat Kodesh. Lo Haval, Shabbat Kazo. C'est pas le Tachrit, c'est. C'est ce qu'on peut recevoir un Shabbat. Ken. Vous profitez de chaque instant, vous êtes jeune, profitez, vous n'avez rien, vous êtes libre, net, la nuit, le jour, ce que vous voulez, vous faites. C'est kef, c'est. Après, si vous faites ça quand vous êtes jeune, même marié, vous allez faire ça. Vous avez une femme qui vous aime, fais comme tu veux, quel heure on mange ce que tu veux, quel heure ce que tu veux, ce que tu veux, mais ce que tu veux, ah. Il reste baron. C'est kef, hein? Profitons, Rabotai, profitons tant qu'on est vivant, tant qu'on est. Akadosh Baruch Hu nous donne chaque jour de vie, on profite pour prendre, pour se remplir. Après, on va profiter dans l'Orlam Abba de manière incroyable de toute la Torah qu'on étudie dans l'Orlam Azé. Incroyable. Si Barolam Azé, Shoshanim de David, Zigan Aiden, Barolam Abba, qu'est-ce qu'on va recevoir sur ça? Dans l'Orlam Azé, parfois on a dit, moi j'ai pas besoin d'Orlam Abba. Donne-moi ça, Orlam Abba, c'est. L'autre, ça cloum, ça me va. Si, Orlam Azé, la Torah, c'est comme ça. Orlam Abba, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'il va recevoir, Orlam Abba? Shem, Yezakenu, Chazek, Avodat Hashem, Hazor Bitshuva Shlema, Bezat Hashem. C'est Nahat Ruach, la Kadosh Baruch Hu. Amen, ve Amen. Amen.